Monde, bonsoir et bienvenue aux 20h de la télévision du Burkina. La trêve n'aura été que de courte durée, les syndicats refont surface et avec eux leurs revendications. L'Union Police Nationale dénonce une gestion non rationnelle du service payé ainsi que la non-satisfaction de sa plateforme revendicative. Le syndicat des agents des impôts et des domaines E observe un arrêt de travail de 120 heures et le directeur général des impôts est l'invité de cette édition. Le boom de la presse écrite d'il y a quelques années déchante aujourd'hui. Factures impayées ou management des finances, plusieurs journaux peinent à survivre. La vie économique des quotidiens, c'est le dossier de ce journal. Tout d'abord, le président du Faso est à Berlin en visite officielle et dès son arrivée, il a rencontré les Burkinabés vivant en Allemagne. Les nouvelles du pays leur ont été apportées par le chef de l'État qui a aussi prêté attention aux préoccupations soulevées par cette diaspora. Le point avec nos envoyés spéciaux à Berlin, Roger Kam et Nathalie Wendata Kaoré. Parmi les nouvelles du pays que le président du Faso a apporté aux compatriotes d'Allemagne, il y a le travail de la Commission constitutionnelle, celui du Haut Conseil pour la réconciliation et l'unité nationale, l'évolution des dossiers pendant en justice, la reprise des élections municipales partielles, les revendications sociales et l'opérationnalisation du plan national de développement économique et social. Justement, concernant le PNDS, sa réussite dépendra aussi de l'issue de cette visite officielle et de l'adhésion de la communauté burkinabé à sa mise en œuvre. Il est important pour nous de refixer les objectifs avec le gouvernement allemand et notamment la chancelière, de manière à ce que dans le programme à venir, il puisse annoncer de façon plus concrète et substantielle la contribution qu'ils peuvent nous apporter à la réalisation donc de ce programme national de développement économique et social. Je voudrais dire à ce titre que la diaspora est invitée à participer justement à ce programme. Comme on l'a dit, non seulement sur le plan intellectuel et de leur contribution qu'ils peuvent apporter sur la base de leur expérience, mais également sur le plan des investissements qu'ils peuvent apporter également dans leur pays. Par la suite, les représentants des 4000 Burkinabés d'Allemagne ont soumis au président du Faso plusieurs préoccupations, dont voici les plus majeures. La première préoccupation, c'est la problématique de la double nationalité, puis la problématique des Burkinabés réfugiés ici en Allemagne, et des situations délicates et différentes. Et l'autre question, c'est beaucoup plus comment soutenir différents investissements des Burkinabés vers le Burkina Faso. Le président du Faso a vraiment pris le temps, tout le temps qu'il fallait pour répondre aux questions et ça, cela m'a beaucoup marqué. Les réponses ont été d'autant plus satisfaisantes que les ministres concernés par les différents sujets évoqués ont apporté des éclairages nécessaires lors de cette rencontre. En conclusion, le président du Faso invite les Burkinabés d'Allemagne à rester dans la dynamique du renforcement de la coopération entre le Burkina Faso et l'Allemagne en ayant des comportements exemplaires dans leur pays d'accueil. De son côté, le chef du gouvernement encourage l'excellence. Les meilleurs élèves de la ville de Pau ont été reçus ce mardi à la primature. Un moment de découverte empreint d'émotion pour les uns et un moment de fierté pour l'autre du jour. La rencontre est commentée par Ibrahim Sombier et Oum Sissé. Ils ont entre 13 et 19 de moyenne et sont les meilleurs élèves de la ville de Pau. En congé depuis quelques jours, ils ont été reçus par Paul Kabatieba. Le chef du gouvernement les a encouragés à travailler davantage pour être toujours parmi les meilleurs. Quand j'ai vu que c'est les meilleurs élèves de la province d'Aouri, j'ai dit il faut que je les voie. Pourquoi? Parce que le Burkina Faso a besoin d'enfants comme vous. On a besoin d'enfants qui veulent réussir. On a besoin d'enfants qui travaillent bien à l'école, qui vont devenir demain tout ce que vous avez dit comme métier là. On a besoin de tout ça. Il faut donc qu'il y ait beaucoup plus de jeunes qui sont ambitieux comme vous. Beaucoup plus de jeunes qui prennent l'exemple sur vous pour travailler dur. Mais travailler dur, ce n'est pas de travailler aujourd'hui et demain se reposer. C'est une exigence permanente. Devant le chef du gouvernement, ses élèves ont pris des engagements. Pour que le Premier ministre soit fier de nous, nous aimerons travailler davantage, plus, pour que, afin, comme on l'a si bien conclu dedans, pour que, afin qu'on puisse viser l'objectif que nous voulons.
Cette rencontre avec le Premier ministre a été l'occasion pour ses élèves de mieux connaître leur hôte et son institution. De la politique à présent avec le groupe municipal de l'Union pour le progrès et le changement, l'UPC dénonce les maux qui selon lui entravent la gestion de la ville de Ouagadougou. Il s'agit entre autres du budget qui est mal reparti ou encore de l'action des conseils municipaux réduits à l'exécution. C'était au cours d'une conférence de presse animée ce jour, le compte-rendu avec Yacouba Gamene et Dramane Guéné. L'UPC n'est pas d'accord avec la gestion de la ville de Ouagadougou. Bien qu'ayant participé au vote du budget de la ville, les conseillers UPC y trouvent des incohérences dans sa répartition. Sur les 26 milliards du budget, plus de 5% sont consacrés aux études de projet, malgré l'existence d'une direction en charge des études dans la ville. Seulement 167 168 860 francs, soit 0,6%, sont consacrés à la jeunesse et à l'emploi. C'est une offense à la jeunesse de Ouagadougou. Même la communication avec 178 620 500 francs, est plus prise en considération que la jeunesse et l'emploi. Seulement 76 350 000 francs sera consacré au social, ce qui représente 0,3% du budget. Les personnes vulnérables feront mieux de quitter la ville de Ouagadougou sous la gouvernance du MPP. Sur la question des lotissements aussi, il y a des accords entre l'UPC et le parti majoritaire. Le changement tant attendu par les populations tarde à venir selon ces élus UPC. Nous assistons à un accaparement des terrains par les promoteurs immobiliers qui aménagent et construisent des villas destinées aux plus riches. Que restera-t-il de terre pour nos populations des non-lotis ? L'UPC décrit aussi le manque d'autonomie des arrondissements vis-à-vis de la mairie centrale. La mairie gère, selon eux, la quasi-totalité des investissements à réaliser dans la ville. Pour eux, la mission des arrondissements ne se résume aujourd'hui qu'à la signature des actes d'état civil. Eux aussi pointent un doigt accusateur sur le gouvernement qui n'apporte pas réponse à leurs préoccupations. Les travailleurs des impôts et domaines ont pour se faire opter pour une grève. 120 heures d'arrêt de travail sur toute l'étendue du territoire national. Les motifs de cette grève ont été dévoilés aux professionnels des médias. Jean-Eudes Bayala, Mariam Dao et Vincent Kendrobiogo nous rendent compte. Après l'échec des négociations entre le SNAID, le Syndicat national des agents des impôts et des domaines, et la commission technique instituée par le Premier ministre, ce syndicat est en grève. Une grève de 120 heures qui couvre la période du 20 au 24 mars sur toute l'étendue du territoire national. Depuis le dépôt du préavis de grève au secrétariat général du gouvernement, le 28 février 2017, l'autorité n'a daigné réagir que le vendredi 17 mars 2017. Ce jour, le SNAID a été reçu par le ministre en charge de la fonction publique, M. Clément P. Savadogo. C'était tout simplement une rencontre de mépris et de menaces. En effet, selon le propos du ministre, le gouvernement considère que la grève du SNAID est inopportune. Demande au SNAID de suspendre le mot d'ordre avant d'espérer que les négociations reprennent. Le SNAID a estimé tout simplement que les autorités font du dilatoire. De la suspension du préavis de grève le 18 décembre 2016 au 17 mars 2017, soit exactement 3 mois, le gouvernement n'a apporté aucune réponse véritable aux préoccupations posées par les travailleurs des impôts. Pour Nongo Grégoire Traoré et ses camarades, les travailleurs des impôts ne demandent que le minimum pour travailler. Le SNAID ne revendique pas la mer à boire au gouvernement. Tous les points de la plateforme minimale d'action ne sont pas tous à incidence financière. Le SNAID se dit conscient des désagréments que va causer cette grève aux usagers des services des impôts. Et leurs responsables se disent ouverts aux négociations. Monsieur Adama Badolo, bonsoir. Bonsoir, madame. Alors, vous êtes le directeur général des impôts. Avant de revenir un peu sur la grève, proprement dite, 120 heures de grève, c'est-à-dire 5 jours d'arrêt de travail, est-ce qu'un service minimum est prévu justement pendant cette grève? Merci Madame Ouedraogo. Avant de répondre à votre question, permettez-moi en tout cas de dire ici que le gouvernement, avec à sa tête donc son Excellence Monsieur le Premier ministre, est très préoccupé par la situation de grève donc au niveau de l'administration fiscale. Et c'est pourquoi
en l'absence de Madame le ministre de l'économie, des finances et du développement en mission, j'ai été mandaté pour venir donc apporter en tout cas des éléments d'information à l'opinion. Effectivement, 5 jours de grève, ça fait un manque à gagner important donc au niveau de nos administrations fiscales. Ça crée également, on va dire, des préjudices, des désagréments pour les usagers de l'administration. Donc c'est l'occasion, en tout cas pour nous ici, d'exprimer nos regrets aux populations. Donc c'est en cela aussi que le gouvernement a pensé qu'il faut travailler à mettre en place un service minimum pour que les services que nous pouvons rendre puissent être rendus aux usagers donc, du service public. Donc notamment le paiement des taxes et des impôts. Comment ça va se passer pendant ces jours de grève? Alors il faut dire que de tout temps, dans les grandes villes comme Ouaga et Abobo, les impôts sont payés aussi bien à nos guichets que dans les banques. D'ailleurs, pour les grandes et moyennes entreprises, plus de 95% des paiements se font au niveau des banques. Donc le gouvernement a initié un communiqué pour inviter les usagers, les contribuables, à continuer à payer leurs impôts au niveau donc des banques de la place. D'accord. Alors, donc, c'est ce qui sera fait. Est-ce que une pénalité, la pénalité donc du non-paiement ou bien une pénalité quelconque sera imputable aux usagers? Bon, disons que le délai limite de paiement de l'impôt coïncide avec le début de la grève. Donc, nous avions, en tout cas, les contribuables avaient jusqu'au 20 de ce mois pour payer les impôts du mois précédent. Donc naturellement avec la grève, ils vont avoir des difficultés et en principe à partir d'aujourd'hui, ils tombent sous le coup de la pénalité. Mais nous avons donc dans le cadre de ce communiqué indiqué que les contribuables qui ont pu faire leur paiement dans les banques de la place, mais qui n'ont pas pu déposer physiquement les déclarations, ne vont pas subir de pénalité, va sans dire. Alors, est-ce que cette grève est le reflet d'un dialogue rompu entre le syndicat et les responsables et aussi le gouvernement, puisque le secrétaire général a parlé d'un échec de communication avec la primature? Bon, disons que le gouvernement est sensible, hein, le gouvernement est pour la négociation. Les négociations ont commencé avec moi-même, donc avec le directeur général des impôts. Et c'est parce que nous n'avons pas trouvé de réponse au niveau donc de la Direction générale des impôts que le dossier, on va dire, a été porté devant Madame le ministre de l'économie, des finances et du développement. Là également, il n'y a pas eu de satisfaction, en tout cas à l'ensemble des points de la plateforme revendicative. Et le Premier ministre, justement, parce que le gouvernement est soucié du dialogue, a pris en charge le dossier pour poursuivre les négociations. Un comité technique a été mis en place pour échanger avec le Bureau national du syndicat sur les différents points de la plateforme. Et naturellement, il y a 10 points. Certains points ont pu avoir, on va dire, des accords, d'autres partiellement, mais il subsiste effectivement des points de désaccord. Mais le dialogue n'est pas rompu. Vous savez qu'en pareilles circonstances, effectivement, c'est progressivement qu'on peut arriver à un consensus. Le RG du SNAID l'indiquait tout à l'heure, le ministre de la fonction publique les a reçus, et justement pour dire qu'il faut lever le mot d'ordre pour qu'on puisse continuer les négociations. Donc les négociations se poursuivent? Absolument. Les négociations se poursuivent et nous avons foi que très rapidement, on pourra renouer le dialogue pour qu'ensemble, justement, on puisse examiner les différents points de la plateforme, trouver des solutions là où on peut trouver des solutions et pour là où ça demande un peu plus de temps, demander la compréhension de la partie syndicale pour que les choses puissent être examinées en profondeur. Merci à vous, Monsieur Adama Badolo. Je rappelle que vous êtes le directeur général des impôts et vous étiez avec nous pour apporter des éclaircissements, notamment sur la grève qui est en cours au niveau du syndicat des agents des impôts et des domaines. Merci.
Ouvrons à présent une page consacrée à la sécurité dans cette édition et nous commençons par cette formation qui concerne les députés de la commission défense et sécurité. Il faut savoir que cette formation assurée par le National Democratic Institute entre dans le programme, dans le cadre donc d'un programme de la coopération danoise pour la stabilité et la paix dans la région du Sahel. Mathias Rabot et Moumouni Soubeiga nous situent sur les enjeux d'une telle formation. Le jeu dans le contrôle parlementaire du secteur de la sécurité et le contrôle parlementaire du budget. Ce sont les deux thèmes qui seront développés au profit des députés membres de la CODES, la Commission de défense et de sécurité de l'Assemblée nationale. Il est question de renforcer les capacités de ces parlementaires afin qu'ils puissent jouer leur rôle de contrôle sur le terrain. Nous avons estimé que c'est bien que les députés soient outillés à cette analyse pour pouvoir bien faire en sorte que les budgets qui vont aller dans ce secteur-là soient, en tout cas, aillent là où il faut et que, les enjeux sécuritaires soient beaucoup plus pris en compte. Pour les NDI, c'est une formation qui permettra aux députés membres de la CODES de mieux apprécier les ressources disponibles, mais aussi d'améliorer leur mission au sein du Parlement. Il ne s'agit pas simplement d'une formation théorique. Ils sont dans la pratique, ils ont les mains dans la pâte. Ils vont discuter des outils qui sont à leur disposition et qui leur permettent d'avoir une analyse différenciée, efficace des questions budgétaires, mais également des questions de genre. La formation est organisée par l'Assemblée nationale ou le NDI. Et selon la directrice pays, elle entre en droite ligne de la suite de la mise en œuvre du programme de la coopération danoise pour la paix et la stabilité dans le Sahel. Et justement, dans la lutte contre la sécurité dans cette partie du pays, le gouvernement aidé du PNUD et du Japon renforce les capacités techniques des forces de sécurité. Matériel roulant et appareils de communication ont été remis aux responsables. La valeur des équipements est estimée à plus de 54 millions de francs CFA. Gérard Sommet, Maïmouna Traoré, reportage. Les menaces sécuritaires dans la région du Sahel interpellent le gouvernement du Japon. À travers le PNUD, il apporte sa contribution au renforcement des capacités des forces de sécurité. Le don est composé de 25 motos tout-terrain, 30 GPS et 55 téléphones satellitaires d'un coût estimé à 54,4 millions de francs CFA. Le terrorisme et le trafic d'armes et des stupéfiants et les autres problèmes transfrontaliers, le Japon pense que vraiment les forces de sécurité de la région de Sahel soient bien équipées pour répondre à ces menaces barbares. Mais ça, ce n'est qu'une partie des réalisations parce que l'idée de ce projet, c'est de renforcer la présence de l'État dans ces zones, mais en même temps de faire en sorte que les populations sentent que l'amélioration de leurs conditions de vie sont également prises en compte. Ils accompagnent ainsi le Burkina Faso dans ses efforts de gestion des frontières et d'appui aux communautés frontalières de la région du Sahel. Les terroristes ont beaucoup d'argent et quand ils viennent dans les villages, ils corrompent les gens, ils font des actions pour mobiliser les gens. Alors ces genres d'actions sont de nature à donner à ces populations qui vivent dans ces lieux la conviction qu'ils sont partie intégrante du Burkina Faso. La remise de ces équipements s'inscrit dans le cadre du projet Gestion des frontières pour la stabilité et la sécurité humaine au Sahel. Ce projet, mis en œuvre dans les pays du G5 Sahel, est entièrement financé par le Japon à hauteur de 2,70 milliards de francs CFA environ. Le renseignement est de loin l'arme à maîtriser dans cette lutte contre l'insécurité. À Bobo-Dioulasso, le projet RAPOL s'attaque à l'information judiciaire. Au total, environ 600 agents de la police nationale vont être formés sur les techniques de recueil, de collecte et d'analyse de ces fausses informations. La synergie de ces efforts devrait contribuer à lutter efficacement contre l'insécurité sous toutes ses formes. Maneka Nien, Ahadis Andamba, nous en disent plus. Venus des différents services de la région des Hauts-Bassins, ces agents de la police nationale sont ici à l'école de traitement de l'information judiciaire. L'initiative est du projet IRAPOL qui entend ainsi refonder les méthodes de travail de la police nationale. Et à cet atelier,
les participants doivent s'approprier les différentes techniques de recueil, de collecte et d'analyse de l'information. Le projet IRAPOL est un projet qui a mis en place une plateforme numérique de gestion des informations de sécurité au profit des acteurs de la sécurité intérieure. Maintenant, il faut porter à la connaissance de ces agents l'information juste et leur présenter la plateforme pour qu'ils puissent intégrer dans leur nouvelle manière de faire. Premier maillon de la chaîne du renseignement, le personnel de la police nationale voit en cette formation une occasion pour l'amélioration de ses conditions de travail. Parce que c'est une base de données qui sera exploitée par toutes les forces et qui permettra en tout cas d'être plus efficace pour qu'un délinquant recherché ne puisse pas être détenu par un service X et pendant qu'un autre service qui recherche ce même délinquant ne soit pas au courant. C'est dire donc qu'au sorti de cet atelier, les forces de sécurité doivent travailler en synergie pour plus d'efficacité dans un contexte où, en plus du grand banditisme, le Burkina Faso fait face depuis un moment à cette guerre asymétrique qu'est le terrorisme. Et l'étape de Bobo Dioulasso marque le début d'une série de formations qui touchera l'ensemble du personnel de la police nationale des 13 régions du pays. Et nous restons avec les hommes de tenue, mais cette fois avec des bruits de bottes. Et pour cause, ils ne sont pas satisfaits de la gestion de leur plateforme revendicative. L'Union Police Nationale dénonce également une mauvaise gestion du service payé de la police. Les responsables du syndicat étaient face à la presse. Les détails avec Adama Guiti et Oumar Zombré. L'Union Nationale de la Police, UNAPOL, dénonce ici deux situations. Il s'agit de la question du service payé et de sa plateforme minimale transmise aux autorités depuis novembre 2016 et qui reste sans réponse. Et selon les leaders de cette union, le service payé de la police est mal géré, ce qui serait à l'origine des mouvements d'humeur dans les rangs. Le service payé est confronté à un problème de transparence dans sa gestion. En effet, comment croire qu'une institution garante des lois comme la police nationale puisse fournir ses services à des compagnies minières en dehors de tout contrat formel? La quasi-totalité des maigres fonds collectés grâce à ces contrats fantômes ou imaginaires par les agents est utilisée pour une grande partie pour le fonctionnement du service. Loin de soutenir l'indiscipline, Wakilou Senou et ses camarades disent avoir des pistes de solutions à cette situation. Il y a deux solutions faciles à notre sens à mettre en œuvre. En premier lieu, procéder à la relecture immédiate du décret numéro 79-365 régissant les prestations faites aux particuliers. Deuxièmement, la responsabilisation de personnes qui bénéficient de la confiance de la troupe. Pour ce qui est de sa plateforme revendicative, l'UNAPOL dénonce une ferme volonté d'empêcher sa satisfaction. Elle prend pour preuve le rapport de la commission en charge de ce dossier. Un rapport que l'Union nationale de la police juge dilatoire et vague. Et ce 21 mars est commémorée la journée internationale des forêts. En plein cœur de la capitale, une forêt offre un cadre aussi bien aux amoureux qu'aux artistes et sportifs. Les raisons sont tout aussi diversifiées quand il s'agit de la préservation de cet espace naturel et des autres forêts que compte le Burkina. Une promenade dans les bois avec Moussa Ouedraogo et Oumar Zombré. Ouagadougou, mois de mars. Le thermomètre de l'hôtel de ville de la capitale vacille entre 44 et 45 degrés Celsius. Si certains sont encore au bureau en ce jour ouvrable, d'autres par contre ont pris d'assaut la forêt classée de Bangrouego. Bara Noufou est de ceux-là. Cet étudiant en gestion commerciale habite dans les environs du Siao. S'il a choisi de venir au parc, pourtant situé à quelques kilomètres de chez lui, ce n'est pas pour rien. Ce cadre, c'est favorable pour étudier. Parce que tout est calme, on se connecte à la nature, on apprend bien ses leçons. Comme lui, beaucoup d'étudiants et d'élèves sont venus prendre du bon temps et aussi échapper à cette chaleur étouffante. Avec des camarades de classe, nous sommes venus visiter. À cause de la chaleur, nous sommes venus se divertir. Parce que là où moi je suis, il n'y a pas d'arbre. Et quand il fait chaud comme ça, et à 7 heures comme ça, on ne peut pas rester dans la maison. C'est très très compliqué. Si pour ses élèves et étudiants, cette forêt située en plein cœur de Ouagadougou est un cadre idéal pour apprendre les leçons, pour les artistes, c'est un studio à ciel ouvert.
Je suis là pour juste dégager la voix, requis d'une certaine inspiration. La forêt classée de Bangrowego a une superficie de 265 hectares. C'est l'une des rares forêts en Afrique de l'Ouest à être située en plein cœur de la capitale, selon le directeur du parc urbain Bangrowego, ce qui fait d'elle un meilleur atout et un rempart contre les gaz carboniques émis en circulation dans la capitale. Alors quand on parle de réchauffement climatique, les forêts de façon générale contribuent à l'atténuation de ce réchauffement climatique. Mais en dehors de ces aspects qui sont peut-être abstraits pour les citoyens lambda, il y a tout ce qui est visible, concret, palpable. Au Burkina Faso, le couvert végétal est estimé à peu près 14% de la superficie du territoire national. Un taux bien maigre par rapport aux normes internationales selon Jean Chrysostome Pizongo, mais qui malgré cela subit les pressions anthropiques. Le constat fait sur le terrain, c'est que les forêts que nous avons sont fortement agressées. Fortement agressées par le front agricole. Alors, il y a l'élevage aussi, qui est une activité qui est économiquement bien, mais qui entre aussi à l'intérieur. Pour l'inspecteur des eaux et forêts, directeur du parc urbain Bangrowego, la forêt est un bien qu'il faut préserver et cela passe par les reboisements et surtout par la préservation de l'existant. Et à présent, le dossier qui porte ce soir sur la vie économique de vos quotidiens. Le Burkina a connu ces dernières années de nouveaux titres de journaux qui se sont lancés dans les parutions quotidiennes. Aujourd'hui, certaines ont dû fermer boutique. Le contexte économique national est-il favorable à la survie des journaux? Le modèle économique des groupes de presse est-il viable? Élément de réponse avec Issaka Ouedraogo et Vincent Kiendrebego. Le paysage médiatique burkinabé a connu un boom de titres ces dernières années. Les entreprises se sont lancées dans la publication quotidienne. Mais aujourd'hui, bon nombre de journaux sont en souffrance, faute de finances. Certains ont déjà fermé ou ont suspendu leur publication. Mais comment certains journaux survivent depuis quelques décennies et d'autres pas? Quand vous regardez les grands quotidiens de notre pays, même si tous nos grands quotidiens restent très faibles. D'un point de vue économique, ils sont encore faibles. Donc quand vous regardez, les tirages sont relativement faibles. Par contre, ils ont beaucoup de publicité. Et c'est ça qui permet qu'eux, ils peuvent vivre en réalité. Parce que quand vous prenez un journal comme Sidoya, quand vous sur 40 pages à peu près, en moyenne 40 pages, vous avez à peu près 15 pages de publicité. Vous pouvez faire l'exercice vous-même. Et ils se mettent à compter. Sur les 32 pages de ce journal, 19 sont réservées à des annonces publicitaires, soit le tiers du journal. Mais pourquoi les autres ne profitent pas de cette manne publicitaire? Un journal qui se crée nouvellement n'a pas une audience assurée. Et donc, par conséquent, ça fait que ses recettes publicitaires sont faibles. Donc, pour que le journal puisse vivre longtemps, et pour que l'entreprise soit performante, il faut que l'entreprise planifie de manière à ce qu'elle puisse vivre pendant au moins 5 ans pour susciter un intérêt particulier du lectorat, d'une part, et d'autre part, un intérêt aussi de l'annonceur. 5 ans pour fonctionner à perte avant de se lancer, le chemin de croix paraît difficile à parcourir. On a une certaine vitalité d'opinion plurielle qui a conduit progressivement les uns et les autres à créer des quotidiens. Mais à la création des quotidiens, ils n'ont pas pu ou ils n'ont pas su qu'il faut disposer suffisamment de ressources pour vivre pendant un certain temps avant d'espérer avoir les retombées de ces investissements. Personnel, imprimerie, consommable, bref, le fonctionnement d'un quotidien coûte cher, explique Monsieur Somda. Et c'est à ce prix que beaucoup de titres continuent de sortir chaque jour le canard pour leurs lecteurs. La visite de Paul Kagame au Saint-Siège a été diversement commentée dans les journaux de ce mardi. D'autres sujets ont aussi retenu l'attention de Aimé Solange Guigman qui signe cette revue de presse.
Encore des attaques terroristes à Nassumbu, c'est l'information relayée par les journaux du jour. Le bilan de ces attaques fait état d'un soldat légèrement blessé, selon le communiqué de la direction de la communication des armées rapporté par les journaux, à l'exception du journal Aujourd'hui au Faso, qui lui comptabilise deux blessés, dont un gendarme blessé dans la nuit de dimanche à lundi à Petga, à 25 km de Djibo, lors d'une embuscade tendue contre son unité. Avec ces attaques, on pourra même dire, confie l'Express du Faso, que les terroristes veulent tester la capacité de réaction de nos forces de défense et de sécurité, car elles arrivent au lendemain de l'exercice militaire Flink Lock 17. À propos de cette capacité, le patron de l'armée a confié à la fin de l'exercice Flink Lock que ces hommes ne sont pas prêts à affronter et à battre l'islamiste Malam Diko. Des propos jugés inquiétants par le quotidien, mais sincères et honnêtes par les internautes dans les colonnes de l'Observateur Palga. Ces propos du général Sadou, quoique sincères et honnêtes, ne rassurent pourtant pas les OSC qui donnent de la voix dans les différentes colonnes des journaux. L'ADP, l'Alliance pour la défense de la patrie, fustige les propos du ministre de la Sécurité dans le pays en l'invitant à prendre le peuple burkinabé au sérieux au lieu de le distraire avec des réponses propagandistes du genre, je cite, « Si on pouvait m'autoriser à porter la tenue, à faire une semaine dans le Sahel, je le ferais ». Quant aux jeunes socialistes du Burkina, eux affirment dans le quotidien d'État leur soutien au gouvernement tout en précisant que la lutte contre l'extrémisme violent nous incombe tous. Dans les pages inter des journaux d'aujourd'hui, il est question de la visite de Kagame au Saint-Siège. Une visite au cours de laquelle le pape François a fait acte de contrition, souligne le pays, en reconnaissant humblement les manquements de l'Église et certains de ses membres dans le génocide contre les Tutsis en 1994. C'est donc un Kagame apaisé et heureux, indique l'Observateur Palga, qui s'en retournera à Kigali, même s'il lui manque le pardon des pardons, celui de la France, que les locataires de l'Élysée, toutes tendances confondues, se sont toujours refusés à lui demander. Merci d'avoir suivi ce journal. Très bonne suite de programme sur la télévision du Burkina.